5 clés pour parler à un non-croyant. La première de ces clés, c'est toujours d'entrer dans l'écoute. L'écoute de l'autre, parce que l'autre a déjà un vécu, il a déjà des choses qui se sont passées dans sa vie, il a déjà des rencontres ou des refus de Dieu, il a une histoire. Deuxième clé, une certitude, c'est que Dieu est déjà en train d'agir. Au sens où c'est déjà Dieu qui a commencé à agir en l'autre, c'est déjà l'Esprit Saint qui est là. Nous, on est là simplement pour faire les présentations. Moi, je suis là pour dire, tenez, je vous présente Dieu, et Dieu, je te présente celui qui est là devant. C'est très libérant parce que ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma manière de penser ou de faire, mais c'est juste une présentation et l'action de Dieu. Troisième clé pour parler à un non-croyant, nous ne sommes pas là pour vendre notre soupe. Le but, c'est, dans cette rencontre avec Dieu, de provoquer un jugement, de provoquer un moment dans lequel il y a un dialogue et comme il y a quelque chose qui se passe, ils sont en train de se mettre devant Dieu, ils sont en train de se dire « mais oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va profondément me chambouler ou me transformer ou qu'il refuse ». La quatrième clé, c'est la valorisation de l'autre, c'est prendre au sérieux sa démarche. Il sait beaucoup plus qu'il ne pense. En fait, le Seigneur est déjà en train d'agir en lui et il lui a donné des grandes envies, des grands désirs, des grandes manières de penser. On est là pour essayer de lui montrer que le Seigneur, véritablement, il est au-delà de toutes les démarches de sa pensée et qu'il va illuminer tout son être. Dans la cinquième clé, il s'agit d'arriver à comprendre que le Christ reprend toutes leurs aspirations. Le Christ donne réponse à toutes leurs questions.